Et salut tout le monde, c'est Gaor. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Dying Light. Toujours en compagnie de... Hugo, Ouais. Cosinus. De lui. Donc, Toujours là. dans le dernier épisode, on était passé dans le secteur 0. Et Ouais. Pour retrouver Jade, les papiers, parce qu'on vous rappelle que le docteur Zéré est mort. Il est mort dans l'arène il y a pas longtemps. Effectivement. Il y a maintenant aussi Jade qui était partie avec les documents avant qu'il se fasse choper. Et elle était dans le secteur 0 pour aller les amener au docteur Camden. Voilà. Et on lui a dit qu'on travaillait pour le GRE. Ah, il y a une zone à sécuriser, là on va la faire. On lui a dit qu'on travaillait pour le GRE et que du coup, ça lui a pas plu. Ça lui a pas plu, et là, on doit aller la retrouver dans l'université, ce qui paraît, mais on va juste faire la petite zone qui est à côté, là, avant. Parce que ça coûte rien, tu sais quoi. Voilà. Ah, ouh. Il m'a gratté le pied. Le petit chatouille. Bonjour. Au revoir. Pas de problème, toi. Oh, il est tombé dans le trou. Oh. 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 Ok. Je ferme ça. Et toi, tu vas allumer les ultraviolets, comme ça, la zone est sécure. Là, tu galères pas trop? Oh. Mais... Tu veux me laisser faire? Millimètres. Non, c'est bon. Non? Regarde. Ah, ça y est. Non, regarde. A plus zombie. A plus, voilà. Donc aussi, ce que vous avez pas vu, c'est qu'on a fait un peu l'inventaire avant, on est allé au marchand, etc. là, pour éviter que vous ayez tout à regarder. Et je lui ai aussi donné une petite hache avec. Je lui ai mis un modifieur dessus et il a fini avec les. Ah, je lui ai mis un modifieur. Ouais. J'ai mis le même que sur ma hache, le poison de. Le poison. Et lui il a mis les modifieurs parce que moi j'en avais pas de bon là. De toute façon c'était pas. Enfin, je lui aurais rien rajouté de plus. Lui il avait les siens, du coup il s'en est bien sorti. Et je te propose un truc. Je te propose d'essayer la potion de Dahlia là. Tu te rappelles la sorcière là. Est-ce que je vais pas jeter? Ah. Le pire, c'est quoi, regarde. Ah non, je l'ai. Vas-y. Mais on la prend et on descend dans le tas, voir ce que ça donne. Ça te va? Attends. Putain de virulent. Tombe. Voilà. Voilà. Oui, tu viens là où je suis. Je suis juste un peu à côté. Tu viens là où je suis. On la prend et on descend, tout simplement. Et on va voir s'il nous tape. T'es prêt? Ok, 1, 2, 3, je la vois. Bonjour. Ouais, en gros, t'es camouflé, quoi. On dirait bien. Ah. Ça dure combien de temps? Ah. Je suis bugué? Non. En fait, on devient un zombie. Très bien. Bravo, merci, William. Merci. Je viens de comprendre. En fait, elle te transforme en zombie temporairement. Ouais, j'ai activé la voiture. J'ai activé la voiture. Du coup, ça nous a attiré dessus. Merci, oui. Ah, j'avoue, c'était pas mal. Bon, au moins, ça vide l'inventaire parce que ça me cassait les pieds d'en avoir un là qui traînait à moyen. Aussi. Donc, ça nous transforme en zombie. Temporairement, ouais. Bon, pour le coup, pas forcément une bonne expérience, surtout s'il y a une voiture explosive à proximité. Ah, bah d'accord, c'était trop haut. Ok. T'es sérieux? Bah ouais, je pensais que c'était trop. Pas trop, mais apparemment, si, c'est du one shot. Tu me réanimes avant toi de rentrer? Oh, ok. Ah, y'a un ravitaillement à côté là, un truc. Petit ravitaillement. Viens là. Eh, c'est les gars de Race, ça. C'est vrai qu'ils nous avaient dit qu'ils étaient là aussi. Ah ou? T'as un problème toi? Tu me couvres? Vas-y. Non, tu me touches pas. Tu touches pas le zombard. C'est bon. Ça y est. Non, en plus, on sait pas du tout que c'est Arise. Oh, ok, c'était un peu radin cette casse quand même. Hein. Je veux pas dire, mais. Ah là là. Tu sais que t'as ta lampe d'activer?
C'est faux. Eh hey, mais il veut pas escalader là, Crane, dépêche-toi un peu. Oh putain, j'ai failli tomber comme une merde. Il y a un ravitaillement là aussi. Là aussi? Ouais. Bah... Allez, on prend vite fait. Ok, merci la roulade qui a marché. Et tu j'allais dire tu me couvres, mais un peu. Oh, non. Oui. Ah, touche pas mes pieds, toi, il est en train de me ronger les pieds. Je suis en train de me faire défoncer en fait. C'est quoi ce peuple là? Faut savoir. Aïe. Non, non, mais c'est chaud, il y a du monde. T'inquiète, t'inquiète, j'ai. J'ai. Ah ouais, mais là. Ah, il y a un virulent dans le tas en plus, là. Ouf, ouf. Vas-y, on prend, on se taille. Ah, t'as pas ouvert. Non, fous-lui la paix, toi. Depuis... Oh putain, truc de merde. Allez, on se casse. Casse-toi. Ah, AMDR, j'ai eu le temps de te soigner avant que tu montes. T'es sérieux? Ouais, je t'ai soigné en vol. Mais merci. J'adore cette ville, ça me rappelle Paris. Paris? Ah ouais. Bah, Paris avec un peu des ombres alors. Ah, salut. Oh, il y a un truc là. Tu viens? Où ça? Là. Ah, j'arrive. Ah oui, un survivant. Oh putain, il est mal. Wow, 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 fais gaffe, il y a un gros là. Oh, oh putain, il m'a balancé un caillou à la tête. Oh, il m'a foutu une mandale, moi. Hi. Oh. C'est bon, j'en ai un. Oh là 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 là. Oh bah 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 bah. Eh oh, mais laisse-moi me relever au moins. Je suis désolé monsieur arbitre, mais c'est de la chance. De toute façon, il y a plus de survivants, donc on se casse. Ah non, on le tue, il est bientôt mort, ça fait des points en plus. Oh, ok. Aïe. Putain, c'est karma ça. Ouah, mais ouais. Oh. Putain, on vole. Non mais... C'est bon. Enfin. Mais là on va voir, oh, le loot. C'est bébé. Ah mais j'ai... Eh, tu rigoles, mais ouf, j'ai encore eu la hache que je t'ai donnée tout à l'heure. Oui, moi aussi je viens de l'avoir. Bon, du coup t'as pas besoin de le modif. Oh, t'es mal à la hache viking que j'ai. Attends, c'est une hache viking, moi c'est... C'est une hache à la con. Ok. Bon bah du coup on a l'objectif, tu viens? Ouais, j'y suis. T'es en haut. Je vais décéder. Jade. Jade. Quoi? T'es là? Ça a pas l'air. Oh merde, faut aller en haut. Non, faut revenir en haut. Aucun signe de Jade. Ah ouais. Merde. Faut parler aux gardes. Ouais, lui là. Fouf. Je t'attends. Non, non, là il y a un garde aussi. Bon, attends, vas-y, j'arrive. Excuse-moi, tu peux m'aider? Je cherche une jeune femme, brune, fine, du genre à passer sans merder. Elle s'appelle Jade Aldemir. Oui, elle était ici. Tu l'as loupée de peu. La merde. Elle est restée là assez longtemps à faire la gueule. Et puis, elle est partie. Oh putain. Elle t'a dit où elle allait? Non. Mais tu es Crane. Elle a laissé ça pour toi. C'est Amir. Ok. Pourquoi elle m'a laissé ça? Ouais. Bah, je sais pas trop. Mais elle m'a dit de te dire une fois, mais pas deux. Je sais pas ce que ça veut dire. Ok. Bon. Ok, bon, mais du coup, on peut pas lui parler à l'autre. Non, la radio. La radio. Voilà, il y avait la radio qui m'emmerdait un peu. Bon, du coup, il. Il a une quête. Tu reviens, il a une quête. Ah oui. Dernière chose. Ouais. Tu te sers de fusil? Si oui, il faut que tu ailles voir notre armurier. Rupert. Très bien. C'est un as. Il peut fabriquer une arme à partir de n'importe quoi. Un silencieux me serait plus utile. Mais je le trouve où, ce Rupert? C'est un peu le souci. Ça
fait un moment qu'on l'a pas vu dans son atelier. Et c'est son appartement. Ok, je vais voir. T'entends quelque chose, toi? Oui, oui. C'est en gros, c'est quelqu'un, un armurier en gros, qui fait des trucs de ouf avec, avec les armes à partir de rien, de tout et n'importe quoi. Parce que moi, il me regardait, il ouvrait la bouche, mais pas de voix. Il savait pas où il était. Cette musique forte? C'est fait exprès, mais je me demande bien pourquoi. Ce gars doit vouloir mourir. Ok. Merci pour ton intervention. Avez-vous la foi? En haut. Oui, tout à l'heure. Il faut aller en haut. Putain, mais c'est encore plus haut qu'il faut aller. C'est au-dessus qu'il faut aller après. Jade, non, là, faut parler au garde. Attends. Tu me reçois? Jade, tu me reçois? Que dalle. Roy, ici Crane, tu me reçois? Crane, j'allais t'appeler. Vous aviez réussi à passer outre le brouillage. Je crois que tu ferais mieux de revenir ici. Faut que tu vois ça. Pourquoi? Est-ce que tu veux me montrer? Ce qui se passe là, dehors. Faut que tu vois ça de tes propres yeux. Reviens vite, c'est important. Oula. Ok. Crane, je m'appelle Mort Norris. Je travaillais à l'hôtel de ville avant l'épidémie, au département de modernisation et maintenance des infrastructures hydrauliques. Un sacré boulot, je peux vous dire. Ouais. Ces derniers temps, il me manque plus que mes enfants. Ok. Alors, vous voulez me demander quelque chose? Oui, je devais à nouveau rétablir l'eau dans le voisinage. Mais c'est impossible à cause de ces fichus morts-vivants. Et ça me tue, littéralement. Pourrais-je vous convaincre de le faire? S'il vous plaît, oh, ce serait un beau geste civique, apprécié par des dizaines, voire des douzaines de nos concitoyens. Qu'est-ce que je dois faire? Il suffirait de rediriger le débit d'eau, c'est tout. Et ce serait d'une aide précieuse. Cela permettrait à notre merveilleuse fontaine de fonctionner à nouveau. Ok, d'accord. Vous voulez que je fasse quoi, là? Merveilleux, fantastique. Il vous suffit d'aller aux trois stations de pompage et d'intervertir les vannes. Je vais vous montrer où elles sont. Ok. Non, mais une autre fois, monsieur. Une autre fois. Donc, quête principale. Quête principale. Là, parce qu'il nous appelle pour voir un truc. Quête principale. De hautes études. Ils sont où? Mais c'est toujours, là-bas. Là-bas. Du coup, apparemment, il y a quelque chose d'important qui se passe là. Il faut retourner au perchoir, qui s'appelle ça comme ça. Hop, hop. Le perchoir. Ah, j'avais déjà oublié. Ça ressemble qu'à ça aussi. Ah, ah. Quoi? C'est la caisse de tout à l'heure, ça, ou quoi? Non, c'est, il y a une autre caisse ici. Attends, j'arrive. Si mon perso veut bien grimper, allez. Moi, je te jure, là, je descends, je fais un attentat, là. Non. Mais regarde où je suis. Oh, t'es prêt? 1, 2, 3. À l'assaut! Je me suis brisé les genoux, je suis mort. Ah non, ça va. Ok. Fou. Bon ben voilà. Joue, tu me cours? Ah bah y'a personne autour, donc ouais, je peux te couvrir, ouais, y'a personne. Y'a un zombie qui est tombé encore, je sais même pas comment, je crois, mais... Oh putain, de la merde. Ouais, y'a un zombie qui est tombé. Putain, j'ai cru voir des autres caisses. Non, j'ai fumé, ok. Ah, il y avait des bijoux volés quand même. Ah, moi j'ai pas eu. Moi j'ai eu des bijoux volés aussi dedans. Moi j'ai eu que le truc humanitaire. Que la caisse humanitaire, t'es triste. Putain, j'ai cru que j'allais me viander, mais ça va. Je me suis viandé qu'à moitié. Je t'attends. Bon, qu'est-ce que tu penses que ça sera? Je pense que je vais presque mourir. C'est probable. Mmh. Ça marche pas! Je suis mort. Eh bien, fais-moi TP arrive. Là, fais-moi TP. Non, je suis trop bas, je suis trop loin. Ok. Et certains objets amortissent la chute. Non! Tu crois? Vas-y. Ah bah, je spawn à côté, t'es quoi? Voilà, quoi. Je suis juste en dessous. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beau le regarder en boucle, j'arrive pas à y croire. Un document interne du groupe de ravitaillement et d'entraide impliquant cet organisme dans un complot criminel de grande ampleur a été rendu public aujourd'hui. Selon ce document, plutôt que de chercher un vaccin au virus d'Aran,
Le GRE comptait le militariser et le vendre au plus offrant. Oh, putain. Une levée de bouclier mondial à... Non, non, va droit au but. J'étais le dernier survivant de la zone de quarantaine. Je n'y crois toujours pas. Je suis encore en vie, j'arrive pas à y croire. Nous pleurons tous nos morts, mais pour reprendre les mots du président dans son discours d'aujourd'hui, la vie doit reprendre ses droits. Des soldats ont fouillé la zone de quarantaine à la recherche de survivants, mais ils n'ont trouvé que des infectés. D'après le colonel Tanner, une fois le processus de décontamination mené à bien, l'infection sera complètement résorbée. C'est un coup du ministère. Et justifie devant le monde entier la destruction de la ville. Rain, écoute-moi avant de foncer dehors. On a déjà un plan pour envoyer un message à l'extérieur. On place des charges dans un immeuble selon un plan précis, et on les fait sauter. Ce que les zombies ne pourraient pas faire. On a un traceur, Michael, sur l'immeuble. Mais il n'arrive pas à atteindre les derniers étages. Il y a trop de mordeurs. On y va. Ça me fait mal de le reconnaître, mais aucun de nous n'est assez fort pour l'aider. Putain, il faut qu'on fasse quelque chose maintenant, ou ces cons vont nous pulvériser. Toi, moi, Jade, tout le monde. Dis à Michael que je viens lui filer un coup de main. Pendant ce temps, tu essaies d'appeler Jade. Dis-lui qu'il faut que je la voie. Je te le promets. Cool. Et l'autre, par contre, toi, tu restes là, gros. On s'en fout de toi. Let's go, bitches. Bon, on prend la quête et on va direct. Là, on fait ligne droite après. Hein. Let's go. Attends, attends, prends la quête d'abord. Elle est où? C'est oh, au-dessus. Putain, j'ai failli tomber. C'est au-dessus, c'est au-dessus. Très bien, tout ça pour que la mer, c'est où elle est? C'est là. C'est Noah. Je suis tombé. Attends. Attends, je me téléporte. Non, je cherche pas. Ouais. Je suis mort. Alors, tu veux quoi, Noah? T'as de beaux yeux, tu sais. T'as de beaux yeux. J'arrive. Yay. Oh, j'ai atterri sur sa face, mon gars. Attends, je t'envoie un screen. Tu vas atterrir en plus sur sa face. Fais savoir ce qui s'y passe. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu verras par toi-même. Quelqu'un appelle à l'aide. Il y a des femmes et des enfants. Fais de la fun zone. Okay. Des femmes et des enfants qui crient. Eh oui, on est désolé, mais là, on n'a pas le temps. Et regarde juste aussi, Hugo. Un petit truc que j'avais vu qui m'avait fait rire. C'est tu regardes là. Ils font de l'autopub. Dying Light. Good night, good luck. Drink for DLC. Eh ben on drink. C'est un défi, c'est un truc de course. Allez, let's go. T'as pris le mauvais? Non. Si. Moi j'ai pris un. Ah oui non. D'accord, moi je t'ai vu prendre celui-là complètement à côté, mais c'est pas grave. J'ai vu une fusée près d'ici. Je parie que quelqu'un est tombé sur des bandits. Quelqu'un va bientôt mourir. Mitraillette antigoïde gadoïde, c'est quoi ça? Ah, on prendra plus tard. Il y a les survivants. Où ça? Ah oui. Là. Comment? Oh là là, il y a un gros. Oh, putain. Oh, foi. Moi, je crois que j'ai foutu un coup, je vais péter le casque. Oh, aïe, aïe, aïe. Ok. Il y a un problème. Ah, c'est bon, c'est bon, je l'ai eu. Et là, il y a un vieux. Encore une autre hache. Ah là, ça s'est fait. 251, c'est tout. Poids lourd. Oh, moi, j'ai eu un modif, mais il pue. Et si, il y a un marchand MDR. Tant pis. Tu veux quoi, toi? Laisse-toi, voilà. Ok, pourquoi pas. C'était très buggé ça, mais bon. Ah, il y a d'autres survivants ici. Attends. Ça. Oh non, ça va. Là, c'est les mêmes c'est même truc que tout à l'heure, c'est pas intéressant, ça va. Oh non, moi j'y vais pas. Hein. Eh, mais y a du monde là, dites-moi. Ah ouais, mais là, y'a pas mal. T'as, y a encore des survivants. Ah oui, il est à côté de moi. Toi, comment ça, t'as fait accepter une quête?
Ah non, c'est Michael. C'est là qu'il faut qu'on aille. Ah ou. Il y a un survivant encore. Ah mais c'est... Oh. C'est un survivant vite fait, moi je pensais que c'était une quête pour les trucs des eaux. Allez c'est bon, t'es pas bugué j'espère. Debout. Attends. Debout. Ah ah j'ai. Hey Don. Merci mon ami. La boule le fric. Sans vous je serais plus là. Je sais t'es plus là sinon. Non. Quand tu veux. Me dis pas. Ah si c'est bon. Ah bon. Oh putain 84$ gros, c'est super. Ah non moi j'ai eu un module. Putain c'est mieux quoi. Ok bon allez faut aller là et je te dis il y a du crasher. Nouvelle zone de quarantaine découverte. Wow. Oh putain. Oh putain. Oh, oh, oh. Où est-ce qu'on rentre dans les égouts? Attends une seconde. Tu vas envers tout le monde. Ah là. Non. Ah oh, c'est bon. Attends, vas-y, t'es pas. Et on se taille. Toc toc. Qui est là? C'est ma bite. Je dois trouver ce Michael. Quel que soit le plan des ombres, s'il y a une chance que ça marche, je dois les aider. Ah. Ma télé qui veut s'éteindre, très bien, merci la télé. Oula. Oh merde. Ouais, okay. Mais ça a l'air d'être là, ça a l'air d'être là donc. Ah, ils se sont fait gazer ou quoi ici pour qu'il y ait la fumée verte dégueulasse là. Peut-être. Là y'a quoi à droite? Mais c'est là où il faut aller. Non à droite y'a absolument rien à droite. Pourquoi? Il y a une boîte. Câble électrique, très bien. Moi j'ai plastique, très bien. Et alors vous êtes guaqué, vous êtes guaqué hein? Vous êtes guaqué hein? Ouais. Cool. Guaqués. Oula. Quoi ce bruit? C'est une fusée. Oh. Putain y'a rien au fond? Non y'a rien. Non. Juste des... Oh putain y'a un exploseur. J'ai failli taper dedans. Moi je me casse. Oh putain, et je one shot même pas avec ma hache à 1000 de dégâts, c'est sérieux? Ah je t'ai sauté sur la tête. Là? Ah. Oh non. Faudrait éviter qu'on bascule quand même. Ce serait bien, je pense. Putain, j'ai cru que t'étais un mordeur. T'es obligé d'arriver sans faire de bruit. J'ai failli me choper une crise cardiaque. Je voulais pas te faire peur. C'est toi, Michael? Ok, et Troy m'a dit que tu arrivais. Oh, je suis content qu'elle m'ait pas vu sursauter comme ça. Elle m'aurait plus jamais pris au sérieux. Elle te plaît, hein? À ton avis, tu l'as vu? C'est pour elle que je me suis porté volontaire. Tu te retrouves au milieu d'une horde de zombies cannibales pour impressionner une nana? Écoute, avant le virus, le truc le plus impressionnant que j'avais fait, c'était de gagner un concours d'orthographe, ok? Troy ne m'aurait jamais remarqué. Je fais ce que je peux. Je comprends. Dis-moi ce qu'il faut que je fasse. Bon, j'ai essayé de terminer le travail. Mais je suis bloqué au 9e étage. Je m'en charge. Alors, il faut que tu prennes ces charges, que tu ouvres l'arrivée de gaz des fours, et que tu places les charges dans certains apparts. Et ça fera comme un dessin. Un truc qui paraîtra suspect à n'importe qui à l'extérieur d'Aran. S'ils arrivent à expliquer ça, je crois qu'on sera vraiment tous sur le cul. Maintenant, si t'es prêt, ta première étape est au 10e étage. Ok. Ok. Bon. Bon, faut prendre les explosifs. Hop, 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 voilà. Allez, c'est parti. Antoine, ma hache ne one-shot même pas quelqu'un alors qu'elle fait du 1100 de dégâts, quoi. C'est abusé, ça. 0. 1. Attends, tu grattes des caisses, mon gars. Waouh. Y'a rien dedans. Il y avait un crochet. Waouh. Ok, on se parle là, visiblement. Dans l'ascenseur. Bing, bing.
Tu viens? Hop. Bing, bing, bing. Je me souviens. Deux. Trois. Salut. Quatre. Quatre. Oh non. Faut se casser, faut se casser, faut se casser, faut se casser. Cassez-nous. Non, ouais, regarde qui nous a ouvert la trappe. Il est gentil. Lui. Oh sa mère. Ah. Non. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que ça va? Ouais. Pour l'instant. Ouh, ça fait mal. On peut pas utiliser le grappin, gros. On doit escalader la manuelle. Où est-ce qu'on grappe? Ah, d'accord. C'est un truc jaune. Wow. Neuvième. Ok. Merde. T'es tombé? Total. Allez. Mais qu'est-ce que tu dis? On peut utiliser le grappin? Bah, je sais pas, moi je pouvais pas pendant que j'étais sous forme. Ah oui, de, mais pendant qu'on était. Oui. Truc, ouais. Ah, c'est presque spooky. Porta! Non? Ok. Monsieur? Michael, je suis au 10ème étage. Super. Trouve les apparts 105, 106, 134 et 137. Oui, je suis. Ok. Bon, je passe par là. Mais on n'est pas au 10ème, on est au 9ème. On est au 10ème, on est passé dans le plafond. Où ça? Bah comment là, dans la salle juste avant. Ah d'accord. Oh. Bon. Là, il y en a encore un qui est en vie, donc là. Non, il est pas mort. Wow. Tiens! Un problème! Quoi? Oh, franchement, le dégagement instantané, c'est vraiment kiffant quand même. Toc toc, qui est là? Un vénère que j'ai coupé en deux. Oh, putain, je peux même pas le fouiller. Oh. Ok. Donc faut qu'on ouvre. Faut qu'on ouvre le gaz et qu'on pose les bombes. Ok, c'est bon. Il y a un truc là. Bien joué. Il y a un zombie. Il y a un virulent. Putain, il y avait des munitions là. Des balles. 1, 2, 3. Ah c'est un crasher. Mais tu le tues, c'est bon, toi t'en parles plus. Moi j'active l'électricité. L'électricité? Oui, il y avait un truc d'électricité. Ah, ok. La cuisine elle est où? Elle est là. Voilà. Voilà, le deuxième appart est paré. Waouh, t'es carrément meilleur que moi. Ah oui. Maintenant tu dois. Oh, c'était futé, merde. Ouais. Michael. Aou, aou. J'ai de la visite ici. Oh, lâchez-moi, enfoiré. Michael, reste pas là, mets-toi à l'abri. Non, je vais les retenir pendant que tu finis le boulot. Je partirai quand tout sera prêt. Non, c'est encore en haut. Ouais, je suis... Franchement, il peut y aller. Hein. Salut. T'as un problème? Oh, c'est un péteux. Oh, aïe, aïe, aïe. Non. Salut toi. Oh là là. Oh, attends. Oh, péteux. Oh, on est coincé, gros. Oh. Non, moi j'étais derrière le tuyau. Y'a pas ça, j'en force. Bon. Oh. Ah, il est pas mort, lui, tu vois. Yeah. Allez, faut combien? Ouais. Et ta gueule. Yeah. Je te pète la rotule. Ah mais y'en a un, c'est même pas à cet étage en fait. A... Ah mais les deux sont pas à cet étage ou quoi en fait?
Si, il y en a à cet étage. Regarde. Non, quand tu t'y approches, ils sont plus dessus. 130. C'est pas le bon oui, étage. D'accord. Reviens là où il y avait les. Bah, c'est là, remonte. Oh, ça a l'air spooky là-bas. Oh, oh la vache! C'est horrible. Non, toi tu travailles pas, c'est bon. Oh oh. C'est un gamin qui pleure. Oh! Oh mon dieu! Ah, même les zombies, ça leur fait mal à la tête. Merde, oh mon dieu! Quoi, ça calmez le hurleur. Oh, oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Passage en force! Viens ici! Oh! En fait, tu l'étouffes. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai étouffé. Oh, je vais péter la figure, moi. J'ouvre. Du coup? Ah, vas-y. Oh, bon. 3 en 1! Bon placé, on y va. Ça servait à rien, il n'y avait plus qu'un zombie. Passage en force! Oh, je les ai tous mis à terre. Oh, moi bon, j'en ai coupé un en deux. Je suis mort. Attends, je vais pouvoir t'aider. Mec, il y avait 3 péteux. 3 péteux. Attends, juste une seconde. Problème, toi? Eh hey, mais il me crache dessus là tout quoi. Non mais viens ici. Il y avait 3 Oh ça va pas là, tu te calmes de suite. Toi là, tu veux faire comme ton copain? Eh tiens. Salaud. Ok. C'est bon. C'est fini. Génial. Et tu pourrais redescendre? Je dirais pas non à un coup de main maintenant. Ok, on y va. Allez. Par là. Après. C'était. Écoute-moi. Là. On arrive. Écoute, si je m'en sors pas, tu dois prendre. Tu m'as soigné encore. Prends le détonateur. Pars-toi d'ici et fais tout sauter. Là, c'est là, c'est là. C'est là. Non, là. N'importe quoi, Michael. Casse-toi d'ici et retourne voir Troy. Tout de suite. Laisse le détonateur où il est. Michael. Michael. Oh, putain. Vite, vite, vite. Saute. Oui. Par où est-ce qu'on est venu? On est venu par là. Je sens que c'était dans l'ascenseur là qu'on était. Bah oui. What? What? Attends. Quoi ce bordel? J'avais dit qu'il fallait prendre l'ascenseur tout en haut. Viens, on remonte. La cette musique. Oh, wow. Elle est trop sciée. Ah oui, je peux passer voilà, les doigts. Ah, tu vois. Allez, 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 Michael est ah, mes doigts. Oh, oh, je suis mort. C'était un peu haut, c'est ça. Oh, oui. Oh. Ah oui, en plus, t'es tombé dans l'ascenseur, toi. Ouais, ouais, j'ai visé le trou à toi. Hey, go. Michael. Tan, 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 tan. Oula. Oula. Oh merde. Oi oi oi. Bah c'est 3 étages. Ouais, ça fait quand même mal. Quelle merde. J'ai peur. Oh la vache. Run. Salut. run. Oh putain, run. Il n'y en avait pas autant que ça tout à l'heure. C'est vers le bas. Il est où? Oh, 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 oh. Aïe. Oh bah je suis presque quand je te... Oh péteux. Aou. Non 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 non, moi il y a un autre zombar qui me gêne là, c'est Batriche. J'ai fait... Non. Moi j'ai failli le charger le péteux tout à l'heure. Hein. Mais je l'ai chargé moi. Ok. J'espère que tout va bien Michael. Détonateur, par terre. Ah, parfait. Allez, go. On va par là. Le bruit qu'on fait quoi, c'est cassé. Ouais, ça a l'air. Hein. Non, je t'ai sauté dessus. Oh putain, il y a un gros. Oh putain, merde, j'ai raté. Tant pis, c'est la fuite. Quoi, faut aller où? En haut, non, par c'est là. Fermé. C'est là par à là. Là.
Merde. Je peux utiliser le grappin. C'est bon, t'es tranquille, il est mort là. Oh, j'ai cru que t'allais rater. Non, non, non. Bon. J'ai pu te sauter sur la tête, mais ça m'a pas fait le bien. Ouais. Ok. Allez, on sort. Allez. J'ai le détonateur maintenant. On va voir ce qu'ils ont préparé. Oh, c'est nous qui allons faire exploser. Mmh. Après, je sais pas si ça va te faire rappeler quelque chose. C'est possible, mais... on verra. Peut-être l'immeuble qu'on avait déjà détruit. Attends, changement. Ah, salut. Oh non. Ah, quand même. Oh. Oh. T'as fait une croix. Non. Ah non, t'as fait un visage triste. J'espère que ça suffira. Est-ce que t'as des nouvelles de Jade? Crane? Jade, c'est toi? Crane, j'ai entendu ce que tu as fait. Enfin, je vois ce que tu as fait. Alors, tu me crois maintenant, quand je te dis que je suis de votre côté? Oh non, les bâtards! Oh, quel fils de pute! Oh, les bâtards! Je sais, mais j'ai perdu le seul moyen que j'avais de les contacter. Ouais. Les gars, écoutez. Oui. Xavi a trouvé comment pénétrer le brouillage. Il a okay. juste besoin de votre aide pour le faire. Ok. Jade, t'as entendu? On doit se voir. Ouais. Sur toi. D'accord. Retrouve-moi dans le bâtiment rouge sur le canal des émeraudes. On partira de là. Bâtiment rouge sur le canal des émeraudes. Crane, gare à tes fesses. Ici, les infectés sont encore plus féroces que ceux du bidonville. Ah ouais. Bon. Ah, ces enflures, quoi. Niveau de survivant augmenté. Ah ouais, moi aussi. Ah, les salauds, ils veulent vraiment pas, en fait, hein, qu'on soit remarqué. Aïe, aïe, aïe. Ah, comment on va faire pour se faire remarquer, tu vois? Comment on va faire? Je sais pas, moi. Ah. Bip, bip. Bip, bip. Bip, bip. Bip bip, bip bip. C'est ce que ça veut dire, ça, Hugo? La nuit. La nuit arrive. Oh, sa mère. Ça me fait à chaque fois flipper ce cri. Bon, tu viens? Putain, on peut donner. Ouais. Allez. Moi, je propose qu'on aille à l'objectif. Et que, avant de continuer. Oh putain, il y a un rapace juste là. Oui. Et qu'avant de continuer, on fasse un peu de secondaire. Si tu veux. Tu veux le faire la nuit? Ouais, on va le faire la nuit, mais ouais. Et après, on va peut-être aussi s'arrêter là, non? Ah tiens, mais c'est là quoi. Bien en haut. Non, c'était en dessous. En dessous. Non, en dessous, j'ai dit. En dessous, j'ai dit. Moi, j'y suis. Il est où? Bon, vas-y, j'arrive pas à rentrer cette putain de fenêtre. Jade, elle est où? Oh merde. C'est Rice. Oh, ici Crane. Rice a capturé Jade. Il la garde dans un musée quelque part. Tu sais de quoi il parle exactement? Un musée? Ah oui, oui. Rice y a installé son QG. Crane, ne va pas là-bas. C'est une véritable forteresse. Ce serait foncé tête baissée dans un piège. Pas sûr que ce soit un piège. Là, on peut pas pour le secondaire. Il y a un moyen d'entrer en douce. Les prendre par surprise. Je sais pas. Peut-être Tariq. C'est le conservateur du musée. Il doit sûrement bien connaître les souterrains qui courent sous cette forteresse. Bien, je vais aller lui parler. Ok. Il y a un immeuble avec un jardin sur le toit. C'est là que se trouve Tariq. Dernier point. Oh, si tu peux, trouve-toi de nouvelles Attends. armes.
T'en auras besoin. Tu sais ce qu'il y a écrit là ou pas? Oui, what happens to a scorpion when you cut out its sting? Qu'est-ce qui arrive à un scorpion quand on coupe son dard? Viens au musée pour le découvrir. Mais ce musée... Oh putain. On ira dans le prochain épisode dans ce musée. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire, vous abonner et à partager. Et on se retrouve pour le prochain épisode de Dying Light qui sera toujours en compagnie de Cosinus. Et on ira voir le musée. Voilà. Ça a l'air chiant dit comme ça, mais faut penser que c'est dans un cadre apocalyptique où il y a une amie qui est enfermée et qu'on a des putains de haches sa mère. Allez, ce soir plus tout le monde. Me faire vite fait à manger parce que j'ai un peu faim, je t'avoue. Et je reviens direct. Attends, il est... J'ai cru qu'il était rentré pour le moment. Ouais, non, je reviens dans même pas 5 minutes. Ça te va? Ok, voilà. Ouais. Mais sur pause. Tu es mort à un moment pour être là ou comment ça se passe? Alors écoute, tu as quitté, il y a 5 rapaces qui sont entrés dans la maison. J'ai rien pu faire mon gars. Mais juste après que t'es parti hein. Hallucinant. On vient de survivre à la nuit.